Une bonne façon de comprendre ce que c'est que la brand culture, c'est de taper le nom de la marque dans Google Images. Là, on voit apparaître un agrégat. Et dans cet agrégat, il y a aussi bien l'identité visuelle, les produits, la communication, les lieux, les hommes, l'histoire, le design, hein, toute une série d'éléments. Et la force de la brand culture, c'est la cohérence de cet agrégat. Et le contenu, c'est l'expression éditoriale de la brand culture. C'est une des composantes de l'agrégat qui a vocation à éclairer l'arrière-plan culturel de la marque, à expliciter cet arrière-plan culturel et qui donc a d'autant plus de sens qu'il s'inscrit dans la durée. Puisque le but du contenu, ce n'est pas de faire un flash sur un aspect de l'agrégat, c'est de montrer toute la richesse et la solidité de cet ensemble. Le livre qu'on a sorti en 2019 sur la brand culture est une actualisation du livre qui avait été sorti en 2014, avec comme objectif de compléter sur deux ou trois plans. Donc on a beaucoup creusé la question du purpose, mais on a aussi développé la partie méthodologie, et notamment tous les outils qui servent à auditer la plateforme de brand culture, à analyser en détail l'agrégat et aussi à piloter la boussole de marque. Donc on a une boussole qui est à 12 facettes qui prend en compte, par exemple, quelque chose qui est rarement pris en compte, qui est le rapport de la marque à l'espace et le rapport au temps. Le contenu est relié à la culture, mais il peut être relié à plusieurs aspects de la culture. Il peut être relié à la culture produit, il peut être lié à la culture de l'entreprise, notamment sur la raison d'être. Il peut être lié à la culture des hommes, la culture produit, qui est une culture qui est souvent un peu sous-estimée. C'est essentiel, c'est une culture technique, c'est une compréhension des usages, et les marques ont vocation à développer la culture produit. Bon, maintenant, la culture de l'entreprise, avec toutes les dimensions d'éthique, de vision du monde, de place dans la société, ça aussi c'est des contenus essentiels pour pouvoir juger de la position de l'entreprise dans la société. La brand culture, ça concerne tout le monde. Ça concerne de la TPE à la très grande entreprise, du B2B au B2C. L'enjeu de la brand culture, c'est d'abord la cohérence, c'est la gestion de la cohérence dans la durée. Et la cohérence et le renouvellement de cette cohérence. Mais c'est aussi la gestion de l'éthique, c'est la gestion de toutes les facettes de l'entreprise. Donc, bien évidemment que les entreprises B2B, elles font peut-être moins de publicité ou de communication spectaculaire, mais elles ont des enjeux de cohérence, de vision du monde qui sont tout à fait indispensables. La brand culture, ce n'est pas une question de budget, puisque la brand culture, c'est une question de volonté de vouloir gérer sa cohérence et de vouloir gérer son univers de marque, de se poser la question de pourquoi on est là, quelles sont les images clés, les symboles clés, les métaphores clés, les mots clés, l'univers qu'on veut convoquer. Donc la brand culture, c'est on commence à zéro budget, hein, et le brand content, pareil, par rapport à la publicité qui nécessite des moyens pour mettre en avant le contenu, le brand content, ça commence avec un blog. Et je dirais que les enjeux sur le contenu, c'est qu'il est accessible à tout le monde, mais du coup, il est d'autant plus important d'avoir un contenu qui soit de haut niveau, que, y compris le discours des dirigeants, fasse l'objet de relectures, soit amélioré, optimisé, nourri, travaillé, parce qu'il doit être exemplaire. Le discours des collaborateurs, le contenu des collaborateurs, il doit y avoir une émulation entre les collaborateurs pour faire toujours plus intéressant. Et les contenus produits doivent être avec une forte valeur d'usage. La brand culture est fortement imprégnée par ses fondateurs et par le pays d'origine. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en Asie le fait que les contenus sont beaucoup plus visuels que textuels. Et notamment les fiches produits, on a jusqu'à 54 photos
pour un produit, là où on va se contenter en Occident de 5-6 photos maximum. Donc la culture visuelle, la culture esthétique, j'ai beaucoup comparé les contenus japonais et les contenus chinois. Les contenus japonais sont beaucoup plus harmonieux, avec un usage du blanc, du rapport entre le décor et l'objet. Enfin, donc on voit bien que les esthétiques de chacun des pays vont jouer sur la direction artistique des contenus.